Bonjour Michel. Bonjour Fred. Merci de nous recevoir. Je me fais une joie qu'on parcourt ensemble en fait un peu ton itinéraire musical depuis tes tout débuts jusqu'à maintenant, et on peut se dire qu'on est toujours à l'échauffement. Est-ce que tu voudrais bien nous dire en premier, en préambule un peu, si tu avais une famille de musiciens, est-ce que tu avais papa mélomane, ou comment t'es arrivé un peu à la musique? Bon, personne n'était musicien chez moi, personne, non. Par contre, mon père écoutait un petit peu du jazz, dont Django, et c'est ce qui m'est rentré dans l'oreille. Quoi. Voilà. En premier. En premier, oui.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as commencé tout de suite par la guitare ou... Non, j'ai demandé à ce qu'on m'inscrive à l'école municipale d'une petite ville à l'époque, Saint-Priest, près de Lyon, à une dizaine de kilomètres de Lyon. Donc voilà, j'ai intégré l'harmonie municipale à la clarinette. Clarinette. À la clarinette. D'accord. Mais en fait, moi, j'étais très émerveillé, et je suis toujours, par le son du hautbois. Je voulais être oboïste. Ah. Et c'est un ami de mon père qui lui avait complètement déconseillé que j'apprenne le hautbois, parce que lui-même avait deux ou trois de ses amis oboïstes qui étaient devenus fous. Donc tu étais prudent, mon petit. Donc je me suis rabattu sur la clarinette. Je ne sais pas si ça... C'est intéressant, Michel, de savoir que tu as commencé par la clarinette, parce qu'on a l'impression que quand on t'entend jouer de la guitare, on a l'impression que tu souffles et que tu respires dans un biniou, en fait. Oui, j'ai l'impression, enfin, c'est sûrement inconscient, mais j'ai toujours l'impression de souffler dans un biniou, en fait, quand je joue de la guitare, oui. Et alors, du coup, tu as grandi dans la région lyonnaise, hein ? Oui. À Lyon, et est-ce que tout de suite tu as eu un cercle de musiciens avec qui tu as travaillé, avec qui tu as appris, avec... Alors la première rencontre déterminante, c'était avec Pascal Frascon, un ami de guitariste, et qui était plus avancé que moi au niveau guitare, et qui était complètement fan de Django, et on a commencé à jouer à deux guitares comme ça, le répertoire de Django. Des morceaux très simples. Hein. Voilà. Puis après, je suis tombé deux ou trois années plus tard sur un disque de Wes Montgomery. Je ne me rappelais plus de quelle façon je suis tombé sur ce disque. C'est The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. Et là, ça a orienté complètement autrement mon parcours. Ouais. Donc en fait, ouais, les deux premières vraiment immenses. Écoute, coup de cœur, c'était Django Reinhardt et Wes Montgomery. Et Wes, oui. D'accord. Et alors, quand tu étais après, est-ce que t'es rentré dans le jazz tout de suite ? Est-ce que t'as pratiqué d'autres musiques ou... Je suis rentré dans le jazz tout de suite, mais parallèlement, entre guillemets, je jouais dans des orchestres de bal aussi. Voilà. En tant que Lyonnais, du coup, est-ce que tu avais une sorte d'ouverture sur les musiciens du sud de la France, peut-être vers Toulon ou Marseille déjà ? Alors un petit peu, ça s'est fait d'une façon un peu bizarre, parce que j'avais 18 ans et on partait faire du camping, entre autres, dans la région de Toulon. Au camping, j'avais rencontré une demoiselle avec qui on avait fort sympathisé. que j'accompagnais, comme ça, elle chantait, je l'accompagnais, et on avait eu l'idée de se présenter au concours, il y avait un concours de chansons organisé par le journal La République, le journal local du Var, et donc on s'était présenté, et puis... et ça a été avec l'orchestre de Roger Gouache, d'ailleurs. Ah. Où jouait Joe Vallon, on aura l'occasion d'en reparler. C'est le papa de Pierre-Alain Gouache. Le papa de Pierre-Alain Gouache, où jouait Joe Vallon, enfin, puis d'autres musiciens voilà, qui sont... Joe Vallon. Voilà. Qui sont devenus mes amis de très longue date, quoi. Donc, il y a eu cette première rencontre, et puis après, moi, j'allais retrouver l'orchestre sans la chanteuse. Tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Pour jamais, oui. Ouais. Et c'était le début d'une longue amitié qui perdure jusqu'à encore aujourd'hui. Il ne reste plus qu'un des membres de cet orchestre avec qui je suis toujours en contact. D'accord. C'est Louis Fontana, le contrebassiste, ouais. qui habite Bandol. Et pareil, hein, c'était un musicien qui avait une connexion avec Django Reinhardt, Louis Fontana. Alors il a rencontré Django, oui, un peu par hasard, comme ça, en se promenant un matin... Il entend un son de guitare, il s'approche et qui voit Django Reinhardt. Il lui a demandé de... Il s'est approché de Django et il lui a demandé s'il pouvait l'écouter. Et Django lui a dit oui. Et donc,
Il est resté avec lui toute une matinée à écouter Django à 50 cm. Voilà. Non, mais c'est une sacrée expérience. Hein. Magnifique. Michel, il y a quelque chose qui est vraiment important dans ton parcours et qui se passe à Lyon, parce qu'il y a une sorte de pôle de jazz incroyable avec le Haute Club de Lyon. Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit et puis du coup de l'expérience que tu as eue de jouer à la fois avec d'immenses musiciens comme Sly Danton, Hank Mobley, Johnny Griffin, Kenny Clark, et puis tu as certainement eu l'occasion d'en entendre aussi là-bas. Oui, j'ai intégré entre guillemets le Haute Club de Lyon, je devais avoir 19 ans par là, et c'était Raoul Brucker, saxophoniste, qui avait fondé le Haute Club de Lyon, et ouais. On se réunissait tous les samedis dans un café pour une jam session, voilà, et c'est comme ça que ça m'a permis de rencontrer pas mal de musiciens lyonnais. Ouais. Et entre autres, un guitariste qui habitait Paris, mais qui venait à Lyon régulièrement, c'est René Maille, guitariste gitan, mais qui jouait pas comme les gitans, qui était plus intéressé par Wes Montgomery, par Jimmo, voilà, avec qui on a sympathisé, et puis que j'ai retrouvé après à Paris, René Maille. Et parmi ces rencontres justement de musiciens américains qui étaient de passage avec qui vous jouiez, est-ce que tu as gardé des souvenirs particuliers avec certains? Est-ce que le feeling était bon? Comment la musique circulait entre vous? Oui, bien sûr, j'ai des souvenirs avec Kenny Clark, avec Hank Mobley, tromboniste Sly Danton. Sly Danton. Ouais. Et oui, des souvenirs magnifiques, entre autres avec Kenny Clark.
je faisais partie d'un quartet qui était dirigé par Jean-Charles de Michel, pianiste. Avec ce quartet, on a eu l'occasion et le bonheur et l'honneur d'accompagner des grands musiciens américains, dont Kenny Clarke, avec qui on a fait un concert à Grenoble, au théâtre de Grenoble. C'était au mois de novembre. Et, bon, on fait le concert, tout se passe plutôt pas mal. Et nous revoilà partis avec la voiture de Jean-Charles de Michel pour regagner Lyon, où une chambre était. Enfin, il y avait un hôtel qui était prévu pour Kenny Clarke, mais à Lyon. Donc nous voilà dans la voiture avec Kenny Clarke, et c'était au mois de novembre, on sort de Grenoble, et là, panne d'essence. Nous voilà à faire du stop sur l'autoroute avec Kenny Clarke, il pleuvait, et un camion de yaourt s'arrête, et on monte dans le camion. Et Kenny Clarke s'étend, il y avait une plateforme, il s'étend sur la plateforme. Il n'a pas fait aucune remarque désobligeante, aucun commentaire négatif. C'était fou. Magnifique, quoi. Magnifique. Alors, c'est intéressant, Michel, parce que tu côtoies donc des musiciens américains de passage, et je me demande si ça ne te donne pas l'envie d'aller toi-même aller voir un peu ce qui se passe aux États-Unis. Alors, parle-nous de ton expérience, justement, la première fois où tu vas à Rochester, en 76, je crois. Oui, en fait, j'ai été à Rochester, c'est un ami contrebassiste, encore, Jean-Louis Billot, qui allait, lui, à Rochester régulièrement, qui n'était pas professionnel, hein, il était instituteur, mais amoureux du jazz, et il allait étudier l'arrangement à Rochester avec Bill Dobbins. Il y avait déjà été au moins 3 ou 4 années. Et puis il m'avait convaincu d'y aller. Donc voilà, j'y ai été. Et pour étudier l'arrangement avec Bill Dobbins, mais c'était une session d'un mois. Mais j'ai surtout, comment dire, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a ouvert les yeux et les oreilles, c'était la façon, la rigueur dont travaillaient les musiciens américains. Ah. Et pour moi, c'était ça la grande leçon. C'était la grande leçon aussi. Ouais. C'est intéressant. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres déjà Gene Bertoncini, le guitariste ? Oui, alors Gene Bertoncini faisait partie de l'équipe pédagogique de Rochester. Ça, c'était en 76. Et j'y suis retourné ensuite en 79 pour faire un stage vraiment avec Gene Bertoncini, un stage de. D'accord. Mais c'était un stage assez court, hein, mais en même temps c'était l'occasion d'un voyage de noces, puisque je venais de me marier, et c'était. Voilà, c'était. On joignait l'utile à. Très bien, à l'agréable. Alors, Michel, très tôt, tu développes, en fait, tu commences à, en fait, une discographie. Donc, les deux premiers disques dont tu m'as parlé, qu'on a ici, c'est le groupe Sphéroé. Est-ce que tu peux nous parler de ces premières expériences, en fait, de discographie? Alors, Sphéroé, oui, ça, c'était dans les années, carrément, au milieu des années 70. Sphéroé est né de la rencontre avec un pianiste, Gérard Mémon, avec qui on a commencé à jouer sur Lyon et puis en région lyonnaise. Et Gérard a eu l'initiative de monter ce groupe, Sphéroé. On a essayé quelques rythmiques, et puis ensuite, c'était Rideau Bayonne à la basse, et Cactus à la batterie, c'est son prénom, Cactus, mais Patrick Garel à la batterie. Voilà, donc avec cette formation, on a enregistré deux CD, puis aussi on a participé à des. Genre, on a écrit des musiques pour des pièces de théâtre. D'accord. Alors j'étais surpris, Michel, en découvrant la musique et les disques et les pochettes, que c'était une époque où tu avais les blousons de cuir, et puis la batterie avec peut-être 7 ou 8 hommes.
C'est fou parce que te connaissant, on n'imaginait pas, on n'imagine pas que peut-être tu sois passé par une période vraiment de fusion. J'avais un petit peu abandonné West Montgomery. Je m'étais, j'avais un petit peu cédé à la mode de l'époque, le jazz rock. Mais voilà, c'est. Alors là, l'aventure continue, Michel. Là, c'est peut-être c'est le premier disque sous ton nom, Kaléidoscope. Tout à fait. Le premier, on a ici le vinyle et le. Alors, c'est premier sous ton nom avec, avec en particulier une entente avec un musicien avec qui tu vas travailler longtemps avec une grande beauté, c'est Marc Berthaud. Oui, donc on a fait ce disque qui est sorti en 82 avec Luc Plouton au piano, qui était à l'époque aussi, enfin, qui avait eu l'occasion de jouer, est accompagné pendant quelques temps Didier Lockwood. Et à la batterie, c'était Marcel Sabiani. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est mon premier disque où je présentais mes compositions. Tes compositions. Et en fait, alors, c'est intéressant de voir que ouais, t'as tout de suite une envie, en fait, de présenter ta musique, tes compositions. Donc, t'as une envie d'être leader, comme on dit, de musique. Et assez peu de temps après, en fait, moi, c'est le moment où je te rencontre, en fait, musicalement, parce que j'achète ce disque en 1986 dans la province tourangelle, et je tombe en amour avec ce disque, et je suis content de retrouver ce vinyle, c'est Virgile. Alors là, Virgile, on a cette fois, tu retrouves un musicien avec qui tu travaillais déjà à Lyon, c'est Dominique Di Piazza. Tu peux nous parler un petit peu de la rencontre avec Dominique Di Piazza ? Dominique, bien sûr, on a joué pendant 8 ans à Lyon et autour de Lyon, et voilà, oui, c'est pour Dominique, c'était, je crois que c'était le premier disque auquel il participait. Ah, oui. Et puis après, on a eu l'occasion de jouer au Petit Opportun pour la sortie du disque. Et c'était la première fois où Dominique venait à Paris aussi pour jouer, donc. D'accord, alors faut que tu nous racontes, voilà. Parce que je crois qu'il se passe quelque chose de particulier au Petit Opportun au moment de la sortie du disque. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc on joue en quartet avec Daniel Goyon, piano. C'était Tony Rameson qui était avec nous au Petit Opportun, et Dominique Di Piazza. Et à l'époque, on jouait pour 2 ou 3 jours, je crois que c'était 3 jours. Je savais que juste en face, au théâtre du Châtelet, il y avait Jim Hall qui jouait en duo avec Michel Petrucciani. Et il se trouve que je connaissais Michel Petrucciani parce qu'on avait fait quelques concerts avant qu'il devienne une star. D'ailleurs, j'ai une lettre que j'ai, Michel Petrucciani, là, que j'ai amenée pour l'occasion. Et donc, on jouait, je crois que c'était le premier jour. Et en fin de soirée, qui on voit descendre? Jim Hall, avec Michel Petrucciani, que quelqu'un tenait dans ses bras. Et il y avait aussi Helen Keane, la productrice de Bill Evans, qui était là aussi. Il y avait aussi le batteur Elliot Zygmunt, qui était là aussi. Et tous s'installent et nous écoutent. Donc. Je vous dis pas l'émotion. Particulière. Ouais. Et puis, à la pause, on échange quelques mots avec Michel Petrucciani, avec Jim Hall. Enfin, tout se passe très merveilleusement bien. Enfin. Et le lendemain, Jim Hall revient tout seul au Petit Opportun. Et puis, même chose, à la pause, on échange quelques mots. Puis à un moment, enfin, on discutait de choses et d'autres. Et puis à un moment, il me demande, mais ça va, tu as du boulot? Je lui dis non, non. Il me dit moi non plus. C'était toute proportion gardée, quoi. Excellent. Sacré moment. Alors, Michel, peu après, en fait, ou quasiment au même moment, il y a la rencontre avec Bertrand Tavernier et pour la musique du film Autour de minuit. Alors là, je crois que tu as participé en fait à quelques concerts, peut-être à Lyon. Et là, peut-être tu peux nous raconter 2-3 petites choses parce qu'on a des très belles photos avec Wayne Shorter
Et puis, il y a une photo aussi où on voit Herbie Hancock qui visiblement te fait voir une partition. Tu peux nous parler un peu de ce moment-là, Michel ? Oui. C'est... D'abord, c'était complètement surréaliste de participer à ça. Pour moi, c'était... à l'époque, j'étais dans le Vercors. C'était l'été 86. Et dans un tout petit village... comment dire, où la route s'arrêtait là, c'était le bout du monde. Même pas un village, un hameau, quoi. Il y avait une dizaine de maisons. Et puis là, on m'appelle au téléphone, on n'avait pas, bien sûr, ni le téléphone portable, et il n'y avait qu'une cabine de téléphone dans cet endroit. Et donc, je réponds au téléphone, et là, c'était... On m'appelle pour participer au film, c'était la planète Mars, quoi. Donc, l'enregistrement se passait en public au Théâtre Antique de Fourvière, à Lyon. C'était fin août 86. Et donc, j'arrive à la première répétition. Tout le monde était déjà installé sur scène. Il y avait... Biancock, il y avait One Shorter, il y avait Tony Williams avec la batterie jaune. Et je m'installe avec mon ampli, ma guitare, à côté de Tony Williams. Et puis là, Tony Williams me fait avec un signe, il me fait ça. Non. C'est trop vrai. Donc je me dis, bon, ça commence bien. Belle entame. Et donc je m'installe un peu plus loin. Puis la répétition commence, et puis voilà. Puis à la pause, on fait la première pause. Je joue une mélodie qu'avait composée Tony Williams, qui Pee-wee. Je joue ça en accord, et puis il tourne l'oreille, et puis il me dit: bon, maintenant tu peux remettre ton ampli un peu plus près. Sympa. Est-ce que le feeling était bon avec l'équipe de musiciens, avec Herbie Hancock, Wayne Shorter? Magnifique. Est-ce que tu as échangé un petit peu avec Wayne Shorter?
Oui. C'était juste l'époque où on venait juste de terminer l'enregistrement de Virgile. Je lui ai fait écouter la bande en question et il était d'accord pour participer sur un titre sur Virgile, justement. Ah, il était d'accord sur le principe, d'accord. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que le producteur n'a pas donné suite à ça. Et voilà. Donc, d'accord. J'aurais bien aimé quand même avoir... Windshorter, c'est vrai. Mais bon. Alors, Michel, à ce moment-là, tu es encore lyonnais. Et à quel moment tu fais la bascule vers Paris? Peu de temps après, en 87... En 87. Et alors, quand tu arrives à Paris, du coup, ton activité, c'est tu joues dans les clubs, tu as des concerts. Un petit peu, oui. Tu as déjà entamé aussi de la pédagogie depuis déjà un moment. Oui. Il faut dire aussi qu'en 88, il m'est arrivé un événement assez incroyable, c'est la naissance des triplés. Donc, ça a été, là, c'est une autre histoire. Magnifique. Bah oui, alors magnifique, justement, ça me permet de faire un lien, parce qu'il y a parmi les très belles compositions que tu as écrites, il y a le prénom de tes enfants. Et alors j'aimerais bien, Michel, que tu nous parles un petit peu de ton rapport à la composition, parce que en fait tu composes certainement déjà depuis un bon moment, parce que dans Kaleidoscope c'est toi qui écris la musique. Donc comment ça te vient la composition? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher, un muscle que tu alimentes? Ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est le fait d'avoir, déjà avec Sphéroé, le fait d'avoir participé à des expériences avec des troupes de théâtre et de composer la musique pour ces ça m'a mis le pied à l'étrier et puis j'ai pris un goût à ça. Et, d'accord. Voilà. D'accord. Et quand tu composes, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont un peu récurrentes? Est-ce que c'est les mélodies qui te viennent en premier, ou une suite d'accords, ou c'est complètement varié? C'est complètement varié, complètement varié. Des fois c'est une mélodie, des fois c'est une suite d'accords. Tu me racontais que tout récemment, tu avais une expérience intéressante de composition par rapport à des textes. Tu peux nous dire un petit mot sur ça, Michel? Oui, je l'avais un petit peu expérimenté aussi quand j'avais accompagné Elisabeth Comon. On avait cette formation qui s'appelait Traveling Jazz. On a une belle photo. Avec Elisabeth Comon et Pierre-Yves Sorin. Ouais. Et j'avais écrit à partir des textes d'Elisabeth. D'accord. Donc, voilà. Et j'ai fait ça tout récemment avec... une autre personne qui m'a demandé, une chanteuse qui m'a demandé d'écrire de la musique sur ces textes. Et voilà, c'est super, ça génère certainement des idées un peu différentes. Du coup, d'avoir cette contrainte magnifique du texte. Et oui, et puis en même temps, c'est un guide déjà rythmique pour écrire poser des mélodies. Quoi. Thank you.
Alors on poursuit, Michel, avec ta discographie. Un disque que j'aime profondément, Orange, c'est donc en duo, tu es en duo avec Marc Berthaud. Il y a donc y a des compositions, il y a aussi une magnifique interprétation du morceau de Bill Evans, Very Early. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ce disque, Michel ? On avait fait connaissance avec Marc à propos du disque Kaleidoscope, mais là, il était à la guitare basse. Ouais. Et puis après, quand je suis venu à Paris, il se trouve qu'on n'habitait pas très loin l'un de l'autre. Lui, il était dans le 19e, moi dans le 20e, mais vraiment pas loin. Et donc, moi, j'allais chez lui, et puis on jouait en duo, quoi, comme ça. D'accord. Et c'est de là qu'est née l'idée de ce disque en duo. C'est toi qui as l'initiative de ce duo, Michel. Oui. C'est toi qui as l'initiative. D'accord. Alors, l'histoire américaine te rattrape à nouveau. Orange, c'était en 1991. En 1992, décidément, tu as des histoires magnifiques avec les bassistes ou les contrebassistes, hein, depuis le début. Tu vas avec des merveilleux musiciens à la rencontre de Ron Carter. Alors là, c'était pratiquement en même temps que la sortie du disque avec Marc Berthaud. Ouais. J'enseignais dans une école qui était une école privée, une des premières écoles de jazz d'ailleurs, qui s'appelait l'EMRA. Et le directeur de cette école, qui était François Lubrano, qui était parti à l'Aspect d'Idam ensuite, avait eu l'initiative de ces enregistrements pour faire un peu de publicité pour l'école. Et donc, il avait fait enregistrer quelques-uns des enseignants de son école avec des stars américaines. Et j'avais eu la chance de faire ce disque avec Ron Carter à New York en 80. Comment c'était de travailler avec Ron Carter ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était impressionnant ? Comment tu l'as vécu ? Ben, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Hein, parce que... mais non, ça a été le bonheur, le bonheur total. Quoi, parce que à partir du moment où on a Ron Carter, c'est l'autoroute. Quoi. Il y a des choses magnifiques dans cet album, en particulier le duo. Tu joues en duo avec Ron Carter sur Falling in Love with Love. Il y a aussi Toujours, qui est une très belle composition. Et dans ce disque aussi, on retrouve Frank Amsalem. Frank Amsalem qui habitait encore à New York et qui avait... C'est Frank qui avait servi de lien. D'accord. Avec le studio, les musiciens, qui avaient organisé la séance, quoi. On retrouve aussi Mario Stanchev. Et Mario Stanchev qui, lui, faisait partie du voyage puisqu'il enseignait aussi à l'EMRA. D'accord. Et à un moment, donc Frank Amsalem assistait bien sûr à l'enregistrement. Et on sentait qu'il avait très envie de jouer. Et donc je lui ai proposé de jouer, mais c'était complètement impromptu comme ça, de jouer sur Body and Soul. Et puis sur My One and Only Love. Voilà. D'accord. Et le batteur, qui est le batteur de cette session ? Le batteur, c'était Billy Drummond. Billy Drummond. Jeune batteur, très, très talentueux, enfin jeune batteur à l'époque. Ouais. Très talentueux, qui, peu de temps après l'enregistrement, il partait en tournée avec Sonny Rollins, je crois. D'accord. Thank you.
Poursuis Michel, on parlait de Mario Stanchev, donc tu as enregistré aussi un album en duo avec Mario Stanchev, donc c'est à peu près dans les mêmes années, où il y a une sorte de métissage entre tes compositions, des compositions de Mario, et puis aussi des standards. Là aussi, c'est une belle entente musicale que tu cultives avec ce musicien depuis un bon moment. Oui, Mario, d'origine bulgare, enfin, qui était venu après les événements... voilà, qui s'est installé à Lyon et qui a enseigné au Conservatoire de Lyon, et on s'est rapidement rencontré et on avait enregistré ce disque à l'école où je donnais des cours à Saint-Priest. Ils avaient un studio à demeure à l'école et le disque s'était fait comme ça, quoi. D'accord. Alors c'est peut-être un bon moment pour... Tu parles justement d'école. Michel, est-ce que tu enseignes depuis longtemps? Est-ce que la pédagogie, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Comment ça t'est venu? Comment t'as développé cet aspect des choses, la pédagogie, la transmission? Alors, l'expérience de la pédagogie, il faut dire que j'étais instituteur aussi, au départ. Et donc, j'avais un petit peu cette expérience de la pédagogie, mais bon, sous une autre forme, bien sûr. Ensuite, l'enseignement de la guitare, quoi, comme ça s'est fait comme ça, sur le tas, quoi. Et le fait d'avoir enseigné, ça m'a beaucoup apporté, parce que je me suis enseigné à moi-même. Mais, pour mettre de l'ordre un petit peu dans ces... Voilà, et pour moi c'était une grande expérience, et puis un bonheur aussi de transmettre. Voilà. Alors, Michel, parmi les rencontres magnifiques aussi, c'est la rencontre avec Benny Golson. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Benny Golson? Alors là aussi, c'est un petit peu le hasard. C'est-à-dire que j'ai... À l'époque, je donnais ça, c'était dans les années 2000... Et je donnais des cours particuliers au fils de Wong Mon-chung, qui était un des chefs d'orchestre de Radio France. Mmh. J'ai donné des cours donc à ce jeune pendant 2 ans, et qui s'appelait Son d'ailleurs, qui était donc coréen. Et qui a eu l'initiative, donc ce jeune a eu l'initiative d'organiser... un festival à Séoul. C'était le premier festival de Séoul d'ailleurs, de jazz. C'était en août 2000. Et il se trouve qu'à l'époque, je jouais avec Pierre-Yves Sorin, contrebassiste, qui lui-même était en contact avec Benny Golson pour l'avoir invité plusieurs fois sur des projets. Voilà. Donc, entre Wong Mom-chung et
Voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à jouer dans le festival de Séoul en août 2000. Séoul, et puis on a eu quelques concerts aussi autour. Donc on jouait en première partie avec Benny Golson. Et ensuite, en deuxième partie, on participait avec l'orchestre symphonique dirigé par Woo Man-joo, avec l'orchestre symphonique. Et la première partie, c'était avec quel musicien ? Alors, c'était les deux ou trois premiers concerts, c'était donc en quartet, sans piano, avec Pierre-Yves Sorin, Bruno Ziarelli et moi. Et ensuite, Jean-Marie nous a rejoints pour les derniers concerts. Thank you.
remarqué un peu dans ta discographie, Michel, c'est que tu as été leader pendant un petit moment, et puis on sent que ça s'est estompé un petit peu sur le plan de la discographie. Et pour le coup, tu travailles un petit peu avec des gens différents, un peu comme on dit, comme sideman. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des gens avec qui tu as travaillé? Par exemple, évidemment, il y a Diego Humbert, un petit peu plus tard, on va arriver à Diego, mais il y a François Chassanit. Oui, peut-être. Avec qui j'ai eu le bonheur de jouer pendant une dizaine d'années, oui. Et on s'est rencontrés avec François au stage à Lisieux, un stage pédagogique à Lisieux qu'on a animé pendant plus de 10 ans. Voilà, à chaque fois, on se retrouvait là pour une semaine et puis avec des concerts à la clé, quoi. Oui. Et c'était la rencontre, s'est fait là, quoi. D'accord. C'est là aussi où tu travailles avec Sylvain Boeuf. Sylvain, oui. Avec Sylvain Boeuf, avec Diego Humbert, oui. avec Gilda Boclé. Gilda Boclé, oui. Est-ce que c'est aussi au ce stage où tu travailles avec André Villéger? Alors André, on s'est rencontrés dans un autre stage, qui est le stage de l'IMFP à Salon de Provence, où André enseignait d'une façon, enfin il y allait régulièrement toutes les semaines. Et donc on s'était retrouvés en concert là-bas, c'est comme ça qu'est née cette rencontre. C'est comme ça qu'est née aussi la rencontre avec Gilda Boclé, à l'IMFP de Salon de Provence, et puis avec lequel après on a joué aussi en quartet avec André Villéger, Arnaud Lechantre. D'accord. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas d'enregistrement avec cette formation? Malheureusement pas, non. Il y a juste un concert à la radio qui avait été enregistré. D'accord. On trouve quelques extraits sur YouTube. D'accord. Alors, en fait, j'ai dit des bêtises parce que ta discographie en tant que leader, elle s'est poursuivie avec Storias. Donc là, on est en sextet, cette fois, avec François Chassanit, André Secarelli, que l'on retrouve, qu'on avait déjà dans Virgile, quelques années auparavant, Sylvain Boeuf, Vincent Artaud et Nico Morelli. Alors, il y a évidemment des compositions à toi, dont Chapeau Chinois, Elsa, Alexandra, Gianni, et puis aussi un morceau qui m'a interpellé, Michel, parce que tu as un savoir-faire qui est très particulier, c'est tu joues un morceau en guitare solo. Et tu joues l'Action One in Love, et j'aimerais bien que tu me dises un petit mot sur la façon comment tu développes cet aspect de la guitare solo, de jouer une pièce en solo, parce que tu as vraiment quelque chose de très original. Je serais curieux de savoir comment tu développes cet aspect de ton travail. Alors là. Ben c'est à l'instinct, quoi. En essayant de faire le lien entre les accords, la mélodie, de penser un petit peu comme un pianiste, c'est vraiment mon feeling, quoi. Ouais. Puis surtout, ça, comment dire, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, ce que j'essaye toujours de transmettre aux élèves que j'ai eu ou que j'ai encore, c'est de penser mélodiquement les accords, hein, donc y a tout un travail à ce niveau-là, quoi. Thank you.
Petit flashback, Michel, sur une rencontre précédente, justement, tu nous avais parlé de Elek Bagzik et que tu avais été frappé, justement, quand tu l'avais vu, par sa façon de jouer un accord partant, mais un accord différent à chaque fois. Ah oui, j'avais été scotché complètement. Il accompagnait Nougaro, c'était à Lyon. Il y avait Di Louis, il y avait Maurice Mander et Elek Bagzik, il y avait aussi Luigi Trussardi. Ouais. Et donc oui, j'avais été complètement scotché par l'accompagnement d'Elek Bagzik, qui faisait un accord partant. Alors, profitons, Michel, justement, je serais curieux de savoir, au début de notre interview, tu nous as parlé de Django et de Wes, et après, dans ton évolution musicale, quels sont, petit à petit, quels sont les musiciens qui t'ont aussi attiré, qui ont eu un univers, qui ont été importants pour toi? Après, bon, c'est... Il y a eu les pianistes, Bill Evans, bien sûr. Bill Evans, du Correa, Herbie Hancock. Et puis les saxophonistes, bien sûr. Parker, bien sûr. Parker, Coltrane, Stan Getz. Et puis bien d'autres. Ouais. Et parmi les guitaristes, Michel, après Django et Wes, est-ce que peut-être... Est-ce que t'as eu une oreille attentive sur peut-être Jimmy Raney ou... Oui, Jimmy Raney, je l'avais découvert à propos d'un disque en quartet où il joue justement un morceau qui s'appelle Double Image. Et je m'étais inspiré du titre. Ouais. Il joue en quartet avec tromboniste Bob Brookmeyer. Voilà, c'est... J'avais... tout de suite été séduit par son jeu très très élégant, quoi. Et puis la richesse de son jeu, tout simplement, quoi. Magnifique. Et en dehors du jazz, Michel, est-ce que je pense à justement la musique classique, est-ce qu'il y a des musiciens qui t'inspirent dans ton travail? En priorité Bach, oui, qui continue à me hanter. Mais et puis plein d'autres, Chopin. D'accord. Alors Michel, si on poursuit sur la discographie, il y a une très belle rencontre, c'est la rencontre avec Diego Humbert. Donc il y a un premier disque qui s'appelle Double Entente, où là vous partagez des compositions.
des compositions de ta plume et de la plume de Diego. Et puis, il y a un second disque qui s'appelle Triple Entente, avec donc Diego Humbert, toi Michel, et puis Sylvain Boeuf. Et alors, là, tu peux nous parler un petit peu de l'aspect particulier de ce disque, la conception des compositions de cet album en particulier. Oui, d'abord, la rencontre avec Diego, donc, elle est née aussi de ce stage à Lisieux, où pendant 10 ans, on a lié une amitié. Et donc, on a fait ce premier CD en duo. Et ensuite, on avait fait un concert à Porquerolles, grâce à Franck Cassanti, qui nous avait invités. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Sylvain Boeuf habitait dans le coin. C'était une période où il habitait juste en face de Porquerolles. Donc il nous avait rejoints, il était venu écouter le concert, et puis on l'a invité sur scène. Et jamais à jouer. Ouais. Et on trouve un peu des extraits sur YouTube de ça. Et donc ça nous a donné l'envie d'enregistrer avec Sylvain en trio. Et avec un challenge un peu particulier, c'était que chacun écrive des démarcations de standards. Chose assez fréquente dans le jazz. Alors toi, Michel, tu as écrit une démarcation qui s'appelle le Dauphin Bleu, qui est basée sur une Gwynolfine Suite. Il y a Diego qui a écrit Dream Team, c'est sur You Step Out of a Dream. Et puis il doit y avoir il y a aussi Lenny's Pennies. Alors ça, oui, c'est la seule composition de Lenny Tristano. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Last Moment, que Sylvain avait écrit à partir des harmonies de All the Things You Are. Thank you.
Michel, un petit mot sur la guitare, sur les guitares que tu as eues, et puis sur quelques guitaristes. Alors, je crois que parmi les guitares que tu as eues, il y a ton ami proche Hertz qui a aidé à avoir quelques belles guitares. Je pense par exemple à la Gérard de Furnes. Tu peux nous parler de quelques guitares que tu as eues dans ton parcours itinéraire de guitariste? Oui, par l'intermédiaire de Hertz Méron. Je me suis fait faire une guitare par Gérard de Furnes, oui. Une autre guitare aussi par un autre luthier magnifique qui malheureusement nous a quittés récemment, c'est Michel Scamps, guitare électro-acoustique cornylon. Voilà, et puis autrement les autres. Oui, grâce à Hertz aussi, une guitare d'un luthier anglais qui est la Knight. Alors, puisqu'on on parle un peu de guitare et de guitariste, tu as fait des belles rencontres aussi. Je crois que tu as joué avec Jody Orio et peut-être Scott Anderson. Oui, j'ai eu le bonheur de. Enfin, jouer, c'est un bien grand mot. Enfin, j'animais un stage à Cannes. En 92 ou 93, et Scott Anderson était l'invité d'honneur. Il a joué en concert avec Benny Brunel. Scott Anderson nous avait rejoints pour une masterclass, et puis j'ai eu le bonheur de faire quelques notes avec lui, quoi. C'était magnifique. Il s'excusait presque de ne pas connaître les standards de jazz, mais il connaissait tout Wayne Shorter par cœur. Quel musicien fantastique. Alors, un lien avec Scott Anderson, justement, qui avait passé une audition pour aller chez Miles Davis, mais qui ne l'a pas eu. Michel, je crois qu'au moment, tu nous as parlé ça la fois précédente, tu as eu un moment dans une première partie. Avant Miles Davis. Tu peux nous en dire quelques petits mots? Première partie de Miles en 84, oui. Au festival de Vienne, Théâtre Antique de Vienne. Et en plus, c'était le retour de Miles après 4 ou 5 ans d'absence. Donc Miles était bien sûr attendu comme le Messie. Enfin, il y avait 12 000 spectateurs au Théâtre Antique, enfin, archi bourré. Et nous, on faisait la première partie. C'était l'époque où. Mon premier disque était sorti, Kaleidoscope, et on avait eu la chance de faire cette première partie. C'était avec Luc Plouton, avec qui on avait enregistré le disque. Et là, c'était Tony Rabesson à la batterie, Marc Berthaud, et j'avais invité aussi un ami saxophoniste, Jacques Elmus, qui est un ami lyonnais. Voilà. Donc on se retrouvait en quintette, pour jouer en première partie de Miles. Voilà. D'accord. Alors, Michel, j'aimerais bien que tu nous dises quelques petits mots. Tu sais, on parle un peu de l'évolution du jazz et des musiciens actuels. Est-ce qu'il y a des musiciens que tu aimes bien écouter, guitaristes ou pas? Et puis, qu'est-ce qui te semble essentiel dans le rapport à la musique de jazz? Est-ce qu'il y a des choses apparaissent vraiment importantes pour toi? Et bien sûr, il y a plein de, entre autres, c'est les guitaristes, il y en a plein que je trouve fantastiques, qui m'intéressent au plus haut point, bien sûr, entre autres Nelson Deras, entre autres aussi un guitariste Julian Lage peut-être, non? Julian Lage, Peter Bernstein, bien sûr. Il y en a plein,
ce qui me touche beaucoup, c'est la richesse harmonique, comment dire, le fait aussi de gérer l'espace. Ça retient mon attention, quoi. Est-ce que tu es sensible aussi à un certain rapport à la tradition et puis, oui. Puis aussi une façon de trouver aussi son langage à soi? Complètement, complètement. Il faut que le jazz perdure, et pour qu'il perdure, il faut revenir aux racines régulièrement et puis apporter sa modeste contribution, quoi. Oui. Alors, parmi, je crois, ta dernière, ta plus récente participation au disque, c'est donc un très beau disque de Dominique Lemaire qui s'appelle This Is New, donc avec Manuel Rochman et Tony Rapson. Tu retrouves à nouveau Tony. Tu peux nous dire un petit mot sur cette rencontre et sur ce disque? Moi, je vous ai vu au concert. D'ailleurs, il y a un petit message d'ailleurs de Dominique pour toi, Dominique Lemaire, qui dit: demande à Michel comment on fait pour concilier une triple paternité avec la vie de musicien. Tu connais plus son humour. Ouais, ça, il faut le vivre pour le. C'est pas possible à expliquer, ça. Donc. Ce disque, comment dire, oui, ça a été aussi le bonheur de retrouver Tony Rapson, avec qui on n'avait pas joué depuis des lustres. Et puis, bien sûr, Manuel Rochman, et puis Dominique Lemaire, qui est un ami de longue date aussi. Et oui, j'aime beaucoup ce disque parce que Dominique a bien géré le. Enfin, c'est que des standards, mais il a bien géré le. Comment dire, le. L'équilibre entre les solos, c'est... D'accord. Alors, il y a aussi un petit clin d'œil d'un musicien guitariste dont tu vas m'aider, j'ai du mal à... J'écorche un peu son nom de famille, c'est Jean-Louis... Jean-Louis Almosnino, qui est un ami de longue date, oui, lyonnais. Alors, il a laissé un magnifique message... En se rappelant à ton souvenir une fois où vous étiez vu à Saint-Priest il y a quelques années et que tu lui avais appris de façon orale West Coast Blues. Il disait que tu étais tellement avancé à ce moment-là et que lui il ramait un peu pour attraper tout ça. Il dit: est-ce que tu te souviens de cette journée, Michel? Bien sûr, je me souviens même qu'on avait joué There Will Never Be Another You, entre autres, et puis après avec Jean-Louis, bien sûr, c'est un ami de longue date, hein, qui après a enseigné au Conservatoire de Lyon, et dans la région Rhône-Alpes aussi, a formé beaucoup d'excellents guitaristes. Michel, j'aimerais pour conclure, avoir ton idée sur... qu'est-ce que t'aimes? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a un disque que tu aimerais éventuellement faire? Est-ce qu'il y a des rencontres que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as en tête musicalement en ce moment? Qu'est-ce qui t'intéresse? J'aimerais bien enregistrer avec des cordes. Ah. C'est un de mes vieux rêves, ça. Ah, ouais. Un de mes vieux rêves. Genre que quatuor à cordes plus la guitare. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une période un peu trouble et qui ne permet pas trop. Bien sûr qu'il y a toujours l'espoir au bout, mais pour le moment, c'est un petit peu freiné par cette période, quoi. Michel, mille merci. Merci Fred, merci Gilles Réa, merci Gilles Damoclé. Un immense merci, parce que bon, je suis touché de votre présence et de votre... Je ne méritais pas autant de dégâts. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. À bientôt. Thank you.
Thank you.